Bonjour à vous, ici Mom. Je vous l'avais promis dans mon bilan mi-2024, que vous pouvez retrouver juste ici, mais je souhaite me concentrer davantage sur la musique et, justement, j'ai retrouvé dans mon disque dur un script que j'ai mis de côté depuis des années et qui évoque des sensations death metal remarquables qui méritent toute votre attention. Nous allons ainsi voyager dans diverses contrées, mais surtout dans des paysages musicaux qui ne vous laisseront pas indifférents. En tout cas, avant de commencer, si mon contenu vous plaît, pensez au pouce levé, à l'abonnement et au partage. Pensez également à me faire vos retours en commentaire, mais aussi vos recommandations. Je serai ravi de prendre vos suggestions de groupe, mais aussi de sujets à traiter en vidéo. Maintenant, sans plus tarder, partons à l'aventure. Quand même, quand on pense au Mexique, on peut dire qu'on a eu droit à de sacrés groupes issus de ce pays, comme Rodrigo et Gabriela qui ont défrayé la chronique depuis une dizaine d'années, Brujeria qui sont connus pour leur groove metal gangster, ou encore Vitruvius que vous avez en fond sonore depuis le début de la vidéo et qui dévoile un prog archi élégant avec une chanteuse qui accompagne parfaitement l'exigence technique de solo tout en harmonie et en sweet picking. De mon côté, si je connais le Mexique, c'est avant tout pour un de ces groupes de death metal les plus connus. Alors quand j'annonce ça, je sais que les plus férus de death mexicains vont avoir un nom à sortir, et vous pouvez le partager en commentaire. Mais moi, je suis un prog nerd avec une envie de composition qui m'est bien et qui va chercher assez loin. Ainsi, il faut que l'on parle de Cenotaph. Formé en 1988 sous le nom Damned Cross, ce n'est qu'après des changements de line-up que le groupe naît avec son nom définitif. Et c'est en 1992 que sort leur premier album, The Gloomy Reflections of Our Hidden Sorrows. Avec un nom pareil, le ton est donné. On va explorer les tréfonds de l'humain ainsi que l'horreur cosmique et lovecraftienne. Et oui, pour du 92, notamment au Mexique, on a droit à une originalité ici. Si dans les années 80, on a eu droit aux États-Unis à un aspect satanique avec Possessed ou le gore série Z de Scream Bloody Gore de Death, si on a eu la violence sanguinolente de Cannibal Corpse au début des années 90, on a droit à tout autre chose dans ce cas-ci, plus proche de ce que la scène suédoise a pu proposer. D'ailleurs, en 1992 sort le Prodigal Son d'Afflicted, monument du death progressif qui a su devenir une référence au fil des années, mais ce groupe-là, et cet album en particulier, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle ici d'une époque sans internet, donc les groupes progressaient avec moins de visibilité aussi bien sur la scène que sur leur propre impact. Toutefois, dans les années 90, la scène métal au Mexique était florissante. Beaucoup de groupes, et surtout, des concerts avec un public acharné et dévoué. Ainsi, Cenotaph a pu enregistrer leurs démos et présenter leur musique avant d'entrer en studio pour fournir leur premier longue durée. Quelle sortie! Pouh ! Ce Gloomy Reflections est une pépite du death progressif. Oubliez l'élégance et la sophistication. On a droit ici à des nuances d'horreur et d'ambiances inquiétantes, avec un riffing qui n'a rien à envier aux Suédois qui allaient avec leur Chainsaw Riff avec la pédale HM2. Prenez par exemple A Red Sky, ça sonne Sweat Death alors qu'on est au Mexique. C'est simple, avec leur Gloomy Reflections of Our Hidden Sorrows, Cenotaph a produit un album qui a fait date. Si on cherche du death du Mexique, cet album apparaît tout de suite en recommandation. Car ce disque fait preuve de manifeste, aussi bien pour la scène locale qu'internationale. Avec 2000 liches, Cenotaph fait partie d'une pierre solide du monument du death suintant, caverneux, et qui servira encore aujourd'hui de base pour tout le death crust, un grand renfort de HM2. Je ne compte pas dans cet album de Cenotaph le nombre de riffs ravageurs avant de gros moments atmosphériques et saisissants. En jouant sur l'horreur cosmique avec cette jaquette présentant un œil navré tout simplement
terrifiant, Gloomy Reflections parvient à apporter une vision en contraste du sweat death à tendance progressive. Cet album fut un phénomène, car il a su capter une facette spécifique du death metal et la défendre avec brio. L'album fut signé chez de multiples labels et distribué dans le monde. C'est un disque devenu culte dans le milieu connoisseur, et c'est une curiosité à écouter d'urgence. Mais vous vous doutez bien, ça ne pouvait pas s'arrêter là. Après le départ de Daniel Cocciardo, chanteur-guitariste de Cenotaph, le groupe a continué avec Riding Our Black Oceans, qui est tout simplement une anomalie. Sortir en 1994, toujours au Mexique, un album de death mélodique, c'est tout simplement du grand art. Il y a dans ce disque une maturité, une intelligence d'écriture et surtout un souffle et un son de très grande qualité qui n'ont rien à envier à la scène scandinave. Mais je voulais surtout évoquer leur album de 1998, année monumentale pour le death metal, car au milieu des sorties décisives pour le genre, Cenotaph a produit leur Epic Rites. Et là, c'est un enchantement. Si vous êtes adepte de mélodique death metal, vous serez servi. Des arabesques mélodiques, une grandeur émotive dès le premier morceau Crying Frost, une technicité poussée à la batterie et des élancées émouvantes, c'est du tout bon. Et ça me rend dingue de constater qu'on a du mélodeath à la scandinave en 1998 et au Mexique. Cenotaph est parvenu à devenir un groupe majeur, proposant coup sur coup un premier disque death metal caverneux à valence prog, jusqu'à, dès leur troisième sortie, proposer un album concept très nuancé et aux compositions remarquables d'écriture et d'enjeux, et qui n'ont rien à envier à ce que faisait Dan Suano. Ouais, je vais jusque là, si vous aimez Edge of Sanity, vous serez refait. Chaque compo a cette science de la surprise et ce souci de ramener l'auditeur sans jamais le lâcher. Epic Rites est un immanquable, et je me souviens avec beaucoup d'émotion de cette découverte faite au hasard en 2016, quand j'avais déménagé et retrouvé ma connexion internet après en avoir été dépourvu pendant 3 semaines. Mais quelle claque! Quelle grandeur! Que dis-je? Quelle puissance! Comme je vous l'ai dit, après la sortie de Gloomy Reflections, le chanteur-guitariste Daniel Cocciardo a quitté Cenotaph afin de former son groupe The Chasm et poursuivre ainsi sa propre vision musicale. Vu comme Cenotaph a poursuivi dans le mélodique death metal, on comprend qu'il peut y avoir des débats entre les musiciens. En tout cas, pour The Chasm, ou The Chasm, dis-le comme tu veux, je ne vais pas évoquer les deux premiers disques, certes intéressants, mais je souhaite surtout me concentrer sur le troisième album, sorti également en 1998, tout comme le Epic Rites de Cenotaph, mais qui dévoile ici une toute autre ambiance. En effet, avec Death Cult for Eternity, The Chasm entend bien remettre en avant l'horreur cosmique à la manière du Gloomy Reflections sorti en 92. Toutefois, The Chasm en 98, ce n'est pas comme Cenotaph en 92, car on a globalement un métal extrême qui n'hésite pas à piocher dans le black metal, notamment sur certains trémolos et ambiances, mais tout ça à partir d'un death metal classique rendu intéressant par l'apport de comment la scène a su évoluer dans les années 90. Notamment dans le chant, Daniel Cocciardo n'hésitera pas à aller vers des saillies aiguës qui ont de quoi surprendre, mais qui sont en cohérence avec ce que Cenotaph propose également dans Epic Rites. Puis on aura toujours cette charge mélodique à la scandinave qui, si elle sonne claire et épique dans Cenotaph, apparaît plutôt mélancolique dans The Chasm, avec notamment le morceau Possessed by Past Tragedies. Tragedies. Bon, dis-le comme tu veux. I can no longer live there.
Je pense qu'on ne peut pas résumer Cenotaph et The Chasm de meilleure façon qu'en ces termes. Tous deux dévoilent des nuances de death progressif. D'abord dans l'horreur cosmique qui se démarque dans les compos, malgré un son digne des sorties Through Death à grand renfort de Chainsaw Reef sous pédale HM2, les deux formations ont taillé leur voie dans les années 90 vers le mélo soit grandiose et épique pour Cenotaph, soit grave, solennel et nuancé de gris pour The Chasm. D'ailleurs, avez-vous remarqué que le Death Cult contient aussi ce motif de l'œil ? Motif de l'œil qui a servi d'inspiration pour les illustrations des Litanies de l'Acier, mais ça, c'est une autre histoire. Puisqu'on parle de death metal dans des contrées moins habituelles que le circuit majeur, il me faut évoquer les Chiliens de Inanna et leur album Transfigured in a Thousand Delusions. Ce groupe m'a été suggéré par Garde du Nord, viewer très régulier de mon chat Twitch mais aussi chez Maxwell, et je le remercie pour sa recommandation. Et je voudrais également prendre quelques minutes pour parler des Australiens de Stargazer avec leur album The Scream That Tore the Sky. Pourquoi est-ce que je mets ces deux albums en avant en même temps ? Parce que The Chasm et Cenotaph diffusent des éléments musicaux que je retrouve d'une part dans Inanna et d'autre part dans Stargazer, qui sont tous deux des groupes dont il faut parler, car ils sont excellents. Pour Inanna d'abord, nous avons du death metal autour de l'horreur cosmique, mais surtout une valeur prog super intéressante et qui, par moments, m'évoque l'Ikatea Flame dans certaines saillies mélodiques malgré la lourdeur death ambiante. Surtout, il y a des arrangements d'une extrême beauté si on parvient à y saisir toutes les nuances. Et ça me permet de le rapprocher de Cenotaph. Malgré son obscurité générale, la lumière est toujours présente et ça permet un voyage simplement saisissant, avec des intentions très marquées, mais conduites par les transitions finement menées. Avec Inanna, il n'est pas rare de s'arrêter en pleine écoute et se dire « Attends, comment on a fait pour en arriver jusque là ?» Et ce point-là est signe d'un grand disque progressif qui sait nous surprendre sans nous faire perdre pied. De l'autre côté, Stargazer, que j'ai découvert en même temps que The Chasm et Cenotaph, est totalement dans l'avant-garde. Si j'ai pu bien définir la différence entre metal technique et avant-garde au sein de la scène norvégienne dans ma vidéo sur Spiral Architect, il faut savoir que Stargazer, avec The Scream That Tore the Sky, a proposé en 2005 un album aussi apprécié des connaisseurs qu'un Elven Ephris de Ikatea Flame. Haute technicité instrumentale, couplé à une ambiance caverneuse tout en étant cosmique, Stargazer est parvenu à manipuler les diverses nuances du death metal tout en mettant en avant des ambiances à la Cenotaph et The Chasm. D'ailleurs, tout comme dans Epic Rites, il ne sera pas rare d'avoir des saillies aiguës dans le chant, mais accrochez-vous, car au niveau de l'exécution, c'est tout de même très technique et ça va dans des extrêmes qu'il faut savoir apprécier et qui n'hésiteront pas à lorgner dans le black metal et d'autres éléments tantôt doom, tantôt dissonants. Bref, c'est un voyage prenant si on accepte de s'embarquer dedans. We'll be right back.
j'admets qu'avec tout ça, je vous ai fourni du death metal plutôt chargé. Aussi, je vous propose de clore ce voyage, non pas au Mexique, au Chili ou en Australie, mais en République tchèque, en revenant auprès du groupe qui m'a permis de lancer le format PPCM. Et oui, les habitués auront compris, nous allons parler à nouveau de pessimistes. Alors pourquoi voulais-je évoquer ce groupe à nouveau ? Parce que la vidéo au sujet de pessimistes date un peu, que c'est un groupe pour lequel j'ai de nouvelles choses à dire, et surtout, je ne suis pas sûr que vous ayez toutes et tous vu la vidéo dont je parle. À ne pas confondre avec le groupe américain de death metal, les tchèques de pessimistes ont en fait une formule qui a de quoi intriguer, surtout quand on sait que le groupe s'est formé en 1996. En effet, sur leur Ignoras sorti en 98, ils dévoilent des inspirations cyniques et athéistes, mais également un goût très prononcé pour le Spheres de Pestilence, afin de faire un jazz death technique qui, pourtant, ne sonne pas du tout comme les fleurons du tech floridien ou comme les néerlandais de Pestilence. En réalité, il y a aussi dans la production de pessimistes quelque chose assez nébuleux, brumeux, nostalgique, que l'on retrouvera bien plus dans leur deuxième album sorti en 2006 et que je ne vais pas prononcer parce que c'est du tchèque et je ne lis pas le tchèque. En réalité, pessimiste met en avant une assise très forte dans la musique New Wave des années 80. Vous le savez si vous avez vu le documentaire Les Épées de l'Est produit par l'ami Maxwell, mais l'Europe de l'Est, sous domination soviétique, a été la base forte d'une musique électronique mélancolique à grand renfort de synthé, de voix réverbérées et d'instrumentation entre danse et dépression. Avec Pessimiste, on retrouve cette base New Wave Cold Wave qui apporte, via cette inspiration cynique, athéiste, pestilence, un jazz death absolument prenant. Si Ignoras a davantage une patte death metal, malgré des ambiances très particulières, c'est bien leur deuxième disque qui est le plus Cold Wave. Je ne saurais que trop vous le recommander afin de plonger dans un album qui est une singularité dans le circuit. Et je pense que nous parvenons là à la fin de ce tour du death metal atypique. Alors bien sûr, n'hésitez pas à regarder le PPCM numéro 1 sur Pessimiste afin d'approfondir ce que je peux dire sur ce groupe. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire des petites précisions, à ajouter d'autres groupes de death metal atypiques qui sortent du circuit habituel. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, je vous rappelle, le partage, le pouce levé, le commentaire, l'abonnement, vous connaissez la chanson. Je vous rappelle aussi que j'ai un Twitch, je mets le lien en description et en commentaire épinglé. Il m'arrive de faire comme ça des lives à la volée, où on peut jouer à des jeux vidéo, parler de la sphère métal, de musique, bref, plein de choses. Il y a aussi le format crossover que je fais sur Twitch, où avec des intervenants on parle de différents sujets, c'est aussi vachement sympa. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao ciao.